Justement. C'est la communauté qui passe. Donc, c'est pourquoi je pense beaucoup plus stratégiquement que chacun puisse contribuer de cette façon que chacun fait, qu'on puisse comprendre exactement qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble en dehors de l'argent pour que les choses Justement. aillent de l'avant. Il y a des gens qui sont anonymes, les gens qui sont derrière, dont on ne peut pas s'exposer, dont personne ne les connaît. Il y a d'autres personnes qui ont cette capacité-là, mais qui ne sont pas trop visibles. Mais il y a des gens aussi qui ont dit, non, moi je suis leader, je prends les coups. Je Justement. me place devant la France. S'il faut prendre des coups, c'est moi qui prends les coups, mais je suis en train de frayer un chemin derrière. Toutes les stratégies marketing qui vont avec, le buzz, la recommandation, le tout. Une fois que ça sera connu, Ça va prendre l'ampleur. parce que Certains. n'oublions pas qu'il y a la concurrence. En termes de positionnement, en termes d'innovation, de ce qu'on apporte de plus, c'est ça qui va donc mettre votre service ou votre produit devant, afin que les gens ont la curiosité de venir solliciter, demander ou alors utiliser le produit. Donc tout ça, Justement. il faut penser, stratégiquement penser. Au Cameroun, il y avait le supermarché avant, le bon supermarché. Il y avait, comment on l'appelle, Santa Lucia, il y avait Dove, il y avait tout. Jusqu'à ce que les gens commençaient à penser stratégiquement sur le modèle de McDonald's. Pour dire ok, les gars avaient son McDo, les choses ne fonctionnaient pas bien. Il a dit, mais attends. Ils ont fait des études sociologiques, ils ont envoyé les gens pour qu'ils passent faire l'enquête sur la ville pour voir exactement les points qui attiraient plus de monde. On s'est rendu compte qu'il y avait les managers, il y avait les trucs. Ils ont dit, ok, maintenant on va faire nos supermarchés, on Justement. va créer les manèges. Parce qu'ils ont créé les manèges, quand les enfants venaient au manège là, après ils ont oublié de prendre des glaces. Quand ils venaient, ils ont oublié de faire comme ça là, c'est comme ça que ça a bondé. Quand Santa Lucia fait la même chose, c'est comme ça. Santa Lucia fait la même chose là-bas. Pendant ça dit avant, c'était un point calme. Mais maintenant, c'est là nous. Wow, Le c'est refuge comme ça, les deux côtés de la route. Comme la route passe d'un côté, il y avait les gazons là. Les gars ont pris ça, ils ont agrandi. Ils ont fait le manège là-bas, ils ont fait les trucs là, ils ont fait les espaces où on peut manger, boire en plein air, très beau. Ils ont fait ça maintenant. C'est bien Le temps pensé. avant, c'était pour les besoins d'urbanisation, la récolte passait au milieu. De deux côtés, il y avait le gazon. Ils ont pris ça, vous dites, ok, l'argent ne peut pas acheter quoi. Stratégiquement, ils ont pensé ça. Il y a la valeur ajoutée qu'on donne. Il faut penser stratégiquement à ça. Vous proposez maintenant que les choses passent. Et Mais s'inspirer maintenant, on peut aussi. dire que bon, on met les restaurants sénégalais sont là. Les restaurants traditionnels sont là. Les tous sont là. Maintenant, si vous n'avez pas une particularité, un truc qui sort du commun. Par exemple, dans les restaurants sénégalais, on ne fait pas la musique là-bas. On n'a jamais invité un artiste pour venir jouer, non? Tu vois un peu? Oui, c'est On vrai ne peut pas ça. les soirées où. Maintenant, au restaurant de Santa Lucia, par exemple, il y a souvent le vendredi ou le samedi où on invite quelqu'un qui chante en a cappella, les trucs là bien. Maintenant, si tu fais ton truc, tu as toute ta touche particulière, tu peux dire, ok, on peut peut-être chaque vendredi prendre comment dire, quelqu'un qui interprète, les gars qui interprètent souvent les snaps là. On prend, il chante, il Il vient. chante bien. C'est une touche particulière. On peut peut-être dire, ok, on met ça un peu dansant. J'ai vu ça en Suisse pour quelqu'un que j'ai coché. On met ça un peu dansant, un peu comme une boîte. Là, ça passe. On peut dire, bon, il faut une soirée spéciale. Les gens font souvent jeudi les filles, tux, texi, ça passe. Comment il s'appelle Malox, Ah il oui, fait ça, tu Malo, vois. le musicien. Donc, c'est beaucoup plus stratégique. Qu'est-ce qui attire les jeunes? Que chacun se mette au truc. Il y a les coachs familiaux, c'est bien. Donc, on se met là-bas, on dit, ok, les gars, vous pensez que les jeunes aiment quoi? Vous pensez que les hommes préfèrent quoi? Vous pensez qu'il y a quoi qui peut donner? On réfléchit, on implémente. Justement. Lorsqu'on implémente, ça ne cache pas nos activités, mais on voit comment ça se comporte. Une fois qu'on aura avec précision comment est-ce que les gens réagissent par rapport à ça, si tu peux commenter par rapport à ça, tu peux annoncer ce truc sur la page que tu as eu. Quand tu as le retour et tu sais que ça monte, c'est comme ça qu'on fait. Justement. Ce n'est pas conventionnel. Si tu fais un truc de manière conventionnelle sans penser à des choses qui entrent dans l'innovation, tu vas fermer. Tu as pas quoi de nouveau. C'est vrai, il faut vraiment innover, apporter Donc, une plus-value. ça parle. À la brique, quand je parle à la brique, je n'ai pas mangé le couscous.
Tout le monde, on lave les mains. On part. Tu choisis la sauce, ou c'est le baoba, ou c'est le dak, ou c'est quoi quoi. Dès que tu prends, tu t'assois, tu manges. C'est 500, une boule. Dès que